Parle que le 15 soit doué entier. Parle que le 15 d'arrêt sud. Et le 15 d'arrêt entier. C'est que lui-même de l'ouvre. Thank you.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi. Louange à toi. Aux savants, aux riches, tu l'as révélé au tout petit. Ô Seigneur, nous sommes là ce soir pour te louer, comme tu as loué le Père. Ô Christ, bon, voilà pour nous sommes là, et kafutola, betom kafuola. Et la bena, que sinon nous gagnons de pied là. Et tu es où là, nous n'y a là-haut, pour nous gommer cela. Et des fiers vidéo. Oh, mia peu ma ou mia va be mia kafu ou troya. Et la bena, nous gagnons de ou le mia pas gbeome, à peu to. Agbeike ne nami hala, nye nous gagne ou nami. Mie vabe mia kafu, mia subo, mia dakbe na o. Oui, kele mia fiam egbe abe mia dakbe. Mia kafu, mia doma ureji. No vio mina, mia ou mia pasi ureji. A kafu Christo, ikele mia dome. Eya ikele mia kbe egbe abe na mia kafu apeto.
ayant toi kafui beto me kafu la me do de jila ne nous gayo katane wo de defia vidio ne tue wula nunyala o ame yo do ro ki oreji o papa me kafu troya me do oreji me kafu onko do koko ave o do me no lolo de mia pagbe o apeto nu gan uno e kekere mia pagbe o fofo kafu kafu eji o bubu eji no peda da eji no o lolo na o o kwenu Je regarde les montagnes.
ensemble, nous levons encore nos mains vers ce Dieu pour le louer. Oh Seigneur, nous te louons. Toi seul qui es digne de louange. Toi qui as créé tout par ton pouvoir. Oh Jésus, nous te louons. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté Shin Karama.
chant de louange. Louange, ma Dieu, à vivre. Thank you.
Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Veuillons suivre les intentions de messe. Action de grâce, protection divine sur elle, sa famille, confie à Dieu ses projets pour un aboutissement heureux et pour le repos en Dieu de l'âme de son père, Johnny, demandé par Lucie. Messe pour son 7e anniversaire de mariage à l'état civil, confie son foyer et ses projets à la protection divine, demandée par Rosalie. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, protection divine sur sa maison, demandée par un chrétien. Messe pour le repos en Dieu des âmes des enfants avortés et de toutes les âmes du purgatoire, demandée par une chrétienne. Messe pour le repos en Dieu de l'âme du révérend Père Emmanuel Vossa et Paulin Fiovialadia, demandé par une chrétienne. Messe pour le repos en Dieu de Sogogu Rose, Kayada et les âmes du purgatoire, demandé par Alice. Action de grâce, protection divine sur elle, ses enfants, sa famille, assistance du Saint-Esprit aux élèves, aux examens du bac 1 et du bac 2, surtout ses enfants et pour leurs projets, demandé par une chrétienne. Messe pour demander la restauration salariale et la valorisation, demandé par Emmanuel. Action de grâce, protection divine sur elle, son époux, ses enfants, surtout celui en Italie, demande une bonne commercialisation de ses marchandises et confie au Seigneur les cérémonies d'intronisation de son mari comme chef canton par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par Aimé. Messe pour le repos en Dieu de l'âme de John Doregina à l'occasion de son 30e anniversaire de décès. Sans oublier Alex, Yvonne et les âmes du purgatoire, demandées par ses enfants. Action de grâce au Seigneur pour la vie de ses enfants et de ses petits-enfants et sa famille ici à l'étranger, demandée par une chrétienne. Messe pour le repos en Dieu des âmes du purgatoire, demandée par une chrétienne. Action de grâce au Seigneur pour la vie de tous ses amis, demandée par un chrétien. Action de grâce, protection divine sur son fils, Akizito, qui reviendra du Burkina jeudi, par le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie, demandé par une chrétienne. Action de grâce pour les bienfaits du Seigneur, protection divine sur toute la famille, demandé par la famille Tengue. Messe pour le repos en Dieu de l'âme de Lokosu Mathilde, épouse Nonfodi, à l'occasion du 15e anniversaire de décès. Sans oublier les défunts de la famille Lokosu, Nonfodi, Nourazan, et les âmes du purgatoire par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par un chrétien. Messe pour le repos en Dieu de l'âme de Ameo Afi Mana à l'occasion de son premier anniversaire de décès, sans oublier les défunts de la famille et les âmes du purgatoire, demandées par sa famille. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, demande la santé de sa famille et la clémence de Dieu pour les promesses faites à elle, demandées par une chrétienne. À ces intentions, joignons les nôtres. Bonne et fructueuse célébration à nous tous. Loué soit Jésus-Christ. Célébrez le Seigneur, car il est bon. Célébrez le Seigneur, car il est bon. Célébrez le Seigneur, car il est bon. Célébrez le Seigneur, car il est bon.
ta fidélité est pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés du Seigneur, nous célébrons en ce jour Saint Bonaventure, évêque et docteur de l'Église. Et ce chant de la procession, ce chant d'entrée, nous invite à rentrer dans ce grand mystère, à célébrer Dieu. Jésus nous montre dans l'Évangile comment louer. Lui qui a loué son Père, « Père, je te loue ». Oui, que nos cœurs soient débordants de joie, d'action de grâce envers ce Dieu qui nous aime. Nous sommes créés pour louer. Nous sommes créés pour adorer, non pas seulement pour demander, car Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il nous demande de le louer, de l'adorer. Demandons l'intercession de Saint Bonaventure, que le Seigneur nous donne la grâce de la louange, la grâce de savoir louer Dieu, même dans les moments difficiles. Entrons dans cette célébration en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 10. Du 5e au 7e, puis du 13e au 16e verset. Parole du Seigneur. Malheur à l'Assyrien, l'instrument de mon indignation, lui qui est mon bâton, l'exécuteur de ma colère. Je l'envoie contre une nation impie,
Je lui donne pouvoir contre un peuple qui excite ma fureur pour emporter ses dépouilles et le mettre au pillage, pour le fouler aux pieds comme la boue des chemins. Mais lui, il ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Il se dit, j'ai agi par ma propre force et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai supprimé les frontières des peuples, j'ai pillé les trésors, et comme un dieu, j'ai détrôné des rois. Comme sur un nid, j'ai mis la main sur les richesses des peuples. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre et il n'y a pas eu un battement d'ailes. Pas un bec ouvert, pas un cri. Est-ce que le ciseau se glorifie aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? Est-ce que la scie s'enorgueillit aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le morceau de bois qui soulevait l'homme, c'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir ses soldats bien nourris. Et par-dessous leur gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. 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 C'est ton peuple, Seigneur, qu'il piétine et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger. Ils assassinent l'orphelin. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Ils disent, le Seigneur ne voit pas. Le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour? Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas. Il a façonné l'œil et il ne verrait pas. Il connaît les pensées de l'homme et quels sont du vent. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Acclamation. Alléluia. Alléluia. Béni Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Père, le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils,
et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. L'évangile que nous venons d'entendre nous invite à la louange, nous invite à l'action de grâce, à remercier, à louer, parce que c'est Jésus même qui loue son Père. Il reconnaît son Père. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Quelles sont des raisons? Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Voilà le motif de la louange de Jésus envers son Père. Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus sait que son Père est grand. Il est Seigneur du ciel et de la terre. Lui qui a tout créé. Nous devons aussi reconnaître cette seigneurie de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et quand on reconnaît que c'est Dieu le Créateur du ciel et de la terre, on ne fera que louer ce Dieu. Mais quand on ne reconnaît pas que c'est lui le Seigneur du ciel et de la terre, nous allons vouer notre adoration, notre louange aux idoles. Jésus nous apprend à louer son Père. En même temps, il nous apprend à aussi adorer. Je te loue, je proclame ta louange comme une proclamation, une annonce. Je proclame que tu es Seigneur. Je proclame que tu es Dieu. Tu es le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Oui, nous venons aussi pour adorer, pour louer. Toute notre vie, c'est pour louer Dieu. Tant que nous vivons, tant que le Seigneur nous donne encore le souffle de vie, c'est de le louer. Est-ce que nous savons louer Dieu? Jésus nous apprend aujourd'hui à louer Dieu. C'est pourquoi j'invite le deux cœurs à louer. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, si vous manquez la voix, je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, si me manquez la pied, je le loue avec mon âme, et que je le loue là-haut. Bien-aimés, nous avons la voix. Maintenant là, tant que nous avons la voix, commençons par louer Dieu. Quoi. Tant que nous avons les mains, commençons par louer Dieu par nos mains. Tant que nous avons les pieds, les membres, commençons par louer Dieu. Commençons par louer Dieu par nos âmes. Notre âme, l'âme que Dieu nous a donnée. Et quand le moment arrivera,
Quand le bon moment arrivera où nous allons voir Dieu face à face, et là nous n'allons plus louer ici, mais louer Dieu là-haut. Notre devoir, c'est louer Dieu. Louer Yahvé, chanter pour lui, danser pour lui, chanter pour lui. Chanter ça, non, louer le chanté, louer Yahvé, chanter pour lui, danser pour lui, chanter pour lui. C'est bon. Oui, bien-aimé, notre vie, c'est la louange. La puissance de la louange. La force de la louange. On ne peut pas passer toute la journée sans louer Dieu. On ne peut pas passer toute la journée sans louer Dieu. Oui, parfois nous sommes tristes. Des événements de la vie nous accablent. Mais quand on vient pour louer, c'est comme Dieu enlève, Dieu ôte ce poids, cette tristesse en nous. Et donc, chers amis, je vous invite à louer Dieu. Je nous invite à louer Dieu. Nous savons tous la force de la louange. Commençant par le livre de Josué, où les fils d'Israël ont loué Dieu. Cette fois, et les murs de Jéricho sont tombés. Toi aussi, ton Jéricho tombera. Quand tu loues, lorsque tu loues, nous saluons de passage notre frère Frédéric Saba, dans ce livre-là, ton Jéricho va tomber. C'est un livre que les gens achètent ces jours-ci, parce que les gens ont beaucoup de Jéricho dans leur vie. Ah! Mais il faut louer Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de ce frère. Il faut louer Dieu. Beaucoup de Jéricho sont dans nos vies. Et dans les actes des apôtres aussi, nous voyons Paul et Silas qui ont loué Dieu dans la forteresse, en prison. Et le Seigneur a envoyé ses anges pour les sauver. La force de la louange. Oui, il faut louer Dieu. Et demandons aussi au Seigneur de nous donner cette grâce de la louange. Et comme nous le chantons dans les préfaces, tu n'as pas besoin de notre louange, Seigneur. Mais c'est toi qui nous inspires. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. C'est ce que nous chantons, disons, dans le préface numéro 4, bien numéro 5. Tu n'as pas besoin de notre louange. Pourtant, c'est toi qui nous inspires. C'est le Seigneur qui nous a inspirés ce soir de le chanter, de le louer. C'est lui qui nous inspire. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Louer la grâce de la louange. Il faut demander aussi cette grâce de savoir louer Dieu. Même dans les situations difficiles, ne continuez pas à louer. Paul et Silas attendaient leur mort. Ils attendaient la mort dans la prison, mais ils ont loué. Sur eux-mêmes, se sont inspirés aussi de ce passage. Quand nos membres ne seront plus avec nous, nous allons te louer là-haut. S'il nous manque l'âme, nous allons te louer là-haut. Oui, bien-aimé, Jésus loue son Père. Jésus proclame sa louange
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, nous sommes des tout-petits. Le tout-petit, c'est celui qui n'a rien. Il n'a rien, veut dire, il n'a que Dieu. Tu peux beau avoir des richesses, mais celui qui ne compte pas sur ses richesses, il a pour Dieu richesse. Tout petit, celui qui n'est pas orgueilleux, celui qui reçoit tout de Dieu, ce que j'ai ne m'appartient pas, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Ce n'est pas par mon intelligence que je l'ai eu. Autrement, les gens sont très intelligents plus que toi, super intelligents plus que toi. Le roi Assour, dans la première lecture, au lieu de rapporter tout ce qu'il a à Dieu, il a dit, c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. Voilà. Dans la première lecture, le roi Assour, c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi. Qui t'a donné cette force? Qui t'a donné cette vigueur? C'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui te l'a donné. Et donc il faut louer Dieu. La force que Dieu nous donne même, c'est un don. Sois malade et tu verras si tu peux encore avoir la force pour marcher. Donc si nous sommes en bonne santé, ce sont des motifs pour nous. Nous avons plein de signes par milliers pour dire merci à Dieu. Dans des moindres détails, dans des moindres choses, il faut dire merci à Dieu, toujours. J'ai agi par la vigueur de ma main, par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne la sagesse, c'est Dieu qui donne le savoir. Tout est de lui, pour lui. Et en lui, à lui la gloire pour l'éternité. Et donc, bien-aimé, tout ce que nous avons, la maison que tu as, la voiture que tu as, les enfants que tu as, tout est don pour nous. Rien. Tout ce que nous avons. C'est vrai, quelqu'un peut se dire, oh, j'ai fréquenté, j'ai étudié. Et j'ai fait ma soutenance, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai marché sous la pluie, j'ai souffert, j'ai fait ceci. Oui, tu as fait tout cela, mais c'est la grâce de Dieu avec toi. Donc il faut louer Dieu. Il ne faut pas être orgueilleux. Et la suite de la lecture. Le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Attitude humble pour louer. Celui qui n'est pas humble ne peut pas louer Dieu. Celui qui n'est pas humble ne peut pas louer Dieu. Quand on est orgueilleux, on ne peut pas louer Dieu. Parce que tu verras que peut-être... Tu es plus fort même plus que Dieu. Tu es plus sage même plus que Dieu. Et cette tentation est encore dans ce monde, quoi. Les gens évolués par le progrès, la technologie, on se voit au-dessus de Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut avec Dieu. Oui, Dieu est patient. L'intelligence que Dieu nous donne, la force que Dieu nous donne, nous devons nous abaisser pour adorer et pour louer. Oui, bien-aimé, tout pouvoir a été confié à Dieu, à Jésus. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils.
et celui à qui le Fils veut le révéler. Oui, bien-aimé, Dieu veut nous révéler beaucoup de choses. Jésus veut nous révéler beaucoup de choses. Mais il faut être humble. Celui qui n'est pas humble ne peut rien recevoir de Dieu. Demandons l'intercession de Saint Bonaventure, dont nous faisons mémoire en ce jour, de nous venir en aide. Amen. Novi Loloto. Yesu le miakpem, le gbepe evangelio mie sepifilai. Be miakafu mau. Yentobe to me kafu wo. Jifo to, jifo kla nyigba wola pape to. Me kafu wo. Ela bena. Netso nou yo katan, glado nou nyala wo, klo nou gomese la wo. Ne tu es fier de vivre. Yesu, et kafu toi. Et n'y a pas ni du peuple ni baola. Ne me déje si ma ou a béni du peuple ni baola. Nous pouvons la soubo. Le baoko la soubo. Et à ta la déje si ma ou béni ma ou. Nous au kata ola. Nous se kata to y la soubo. Soubo, soubo. Kafu kafu ozona de tout a kafu mau e ata midi abe ne alo me gala signowa alo ma kafu mau plenye pe gbe ne gbe me gala signowa ma kafu mau pla lonye na lo me la signe ma kafu mau pla fonye na fo me la signe ma kafu mau plenye eji nyelubo one ye ivado benye magati ma kafu mau e la be mau kogogbo la signe ma kafu le jipoda ela bena mi la gbena mau mi ku han mi ku na mau mi asubwe mi akafu la me kokwe odomi ya tanovio yi nie gale agbe egbe ya mau gana mi agbe ya mi na mi akafu mau matema na nyi nke ki akata ko makafu mau au melete ko kafu kafu me nu gere jonale to gbo be be se se wo yo mi ape ji wo ha ha wo yo amegbeto la nigba ya ji o agbeto ba agbeto le to ha ha me la nigba ya ji agbeto le be se se me la nigba ya ji gbe si agbe pe nu ike wa ke ya agbeto la to na ne me godogodo voga ke nu yo ma de mo alu ma ke mo be na mi ma kafu ma wo kafu kafu amo se gome ni mi po ro su apagbale o kafu ma wo. Et Jéricho peut griller au mou. Au Jéricho, le mien va à Gbeau, mais bien. Jéricho, son bang, 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 le mien va à Gbeau, mais bien. Et mien pour faire le cas, Frédéric Saba, et mon roma. Mais au Rico, au Jéricho, à la mounao. Quelque homme est à moi le plaisir via Souba. Et la belle Jéricho, Souba, le mien va à Gbeau, mais à pas. N'y a qu'à Fumao de Pac Beta. Et au Lebénia Jira, à Kafumao. Paulo Clisilas a wole gakpa me o jiha wo kafu mawo le bebe se se mame nu ila la wo le nyi be do ma hi eku wa chota le yonu bo wo kafu mawo le gakpa me e no vio le ye yi se se wo me ada tia no kokole nkuma no blo 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 boga ke do nkweji be na ya kafu mawo le mi apag ben keke o mela mi kafu mawo ga. Keke o mela mi kafu ma uga na be o la so na mi mi do e pe ko de ti no be agbesi de ma we na wo ma we na wo ga si ne pa ga si wo mele o kafu ma uga do ku ma uji kafu ma uga e enyi si anu ti kwala. Agbeyi ne le ma we na o do iwo ne le ma we na o e ga yi ne po ma we na o e kho yi me ne le ma we na o e sro yi ne de ma we na o e vi o le ji ma we na o nuka na ne ke me le mi asi mi agblo rien 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 na ne ko finiki na ne ke me le mi asi mi agblo a cho yi go le nyaro ki o mu
nous sommes et la DGC, Bobonye, à la nomo, la DGC, n'en que me la signe, il crémaou. Menamo, n'y en tonne, mon anéco. Amela globen, ah, mais il soukoulou, me planunto, yo, agbaba, il kemidia, et fouille kemikpe, miton de koutouji, et tu fomi, et moi, ou mi, afimi vadoufia, mikpe funto, et le wolou en keke, pour me gomeni bena, oui, oui, Jojoué, maou. Je suis là maintenant. Je suis là maintenant. Et il y a un kafu. Un seul homme. A kafu maou. A do maou pour encourager. Et a gbeye kemi l'entoche a kafu kafu dede. Oji nous venons à kafu maou. Bemi a soubo. Le doudoua nous amène. Bemi a bi anou maou yo. Bemi a kafu maou. A glorification de Dieu. Il y a kafu maou, il y a deux peu kodi, il y a deux petits kokoui. Et y a ta oule, il y a bien, mais nous venons, maou benek pere, il y a tcho soubo, soubonne, il y a tcho kafu kafu ne, il y a tcho akpeda dane. Mais il me bobolo qui re danyo a matem a soubo. Matem a kafu. Nye se le nou regle bantome. E fi a sou. Maou wo nou gaone. E yi maou wo nou gaone, e yi ye wa kafu maou a. Et bien, il y a un toit pour se mettre. Il y a un yaro, il y a un salé, il y a un salé ici. Oh, wobble. Amodo, il y a un saoulo. Amo, il y a un ou. Nos corps d'arafiri, il y a un ou à mon carton. Adjé. Oh, au concours, il y a un capé autre. Bema, maouna, a meyo, open, il y a un meyo, la tonti, ou à maouna, open, il y a un didi poto. Yo, y a les filles, mec. Que moi, ma ou bien mieux que nao, que moi. Ne me n'a question, yo bia, yo ya le dontia, a mou boulate donti, n'y a pas de soi ou. Nientin of you. A peu comme ya dena mau. Kafu kafu que jena mau. Y'a n'y a pas de préface sur le cas, boulevena, a peu tombe, mais y'a n'y a pas de dadao. Ni avait haji jiwo cha me jewo ma o nyenye jiwo be mi ji kana ma wu tontia ma wu ganye ma wu reji awo ale iwo le ko ni ne ko wu gale vo a ma wu to ko e ga ko ne re mi anu be mi akafu mi aji ha ene mi ji ha mi awo ento e gba gogo na ma wu cho wu no vio ni a bobo mi a ro kio enu ke gla yiji le gbogboro be na de sizo te la so sizo to le sonwa ni are le sizo antia. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de mille maou basime abe tuene anyi le zeme la basime ne ya dasi maou le wo ale iwojro nanya bia bonaventure kokwe me yi pasan du mie le gbe be ne kwa me nou venu nami be vie to kafu kafu pa me nou venu kafu kafu pa me nou venu e mi ma nanyi kaka zan la do. A dit que le caca pour ma open co. Et ne veut pas se gayo gina ou un cafou maou. A quoi le cafou cafou ma me bia la comi. A camia gina sou mio. Toutou wa da ki wo. Mega soussui. Me vona yo. Maou a koulou. Godo le wa koulou. Vigna dit yo. Merci Seigneur. Toutou wadati wo. Mega susui bevona yo. Ma ou akonu. Godole wakbe melo. Enu ma o wazulu wo. Ma ou akonu. Blema ma ou akonu.
ble magati aglona ove enu mao mao o azumu o o yata tutu wadati o mega susui bevona yo. Ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, tout Seigneur. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente à l'honneur de Saint Bonaventure. Qu'elles nous obtiennent de ta bonté les secours que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Bonaventure, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Splendor.
toi qui es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons à notre Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Nicodème et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur l'humanité éprouvée par la pandémie du coronavirus. Nous implorons ta bonté sur notre pays, le Togo, sur nos familles, sur chacun de nous, sur toutes les intentions que nous portons. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, et les saints de tous les temps, ces bonaventures qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. La paix à notre pays, le Togo. La paix à nos cœurs, à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en miséricorde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en miséricorde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de Jésus-Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Bonaventure alors qu'il se dépensait pour ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Souhaitons à tous et à chacun bonne soirée, bonne nuit, que nos lèvres chante toujours le Seigneur. Donc je vous invite pour ce chant de final, chant final quoi. Que ma bouche chante ta louange. Que toi Seigneur nous attendons la vie. Que le Seigneur nous garde dans sa paix. Que nous continuions toujours par louer Dieu. Puisque nous sommes nés pour louer. Nous sommes nés pour adorer. Bonne soirée à nous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.